tous! Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans un Train Hall. Et là c'est un Train Hall spécial, enfin c'est une campagne spéciale parce que bah du coup vous avez dû le voir là dans le titre, c'est écrit Shane for Hall. Donc en fait c'est une campagne spéciale que Shane a voulu qu'on fasse. Donc je vais vous en parler un peu. C'est tout simplement en fait une campagne pour vous dire que Shane fait, Shane veut vous rappeler qu'ils font vraiment de tout sur leur site, c'est-à-dire pour toutes les morphologies, qu'on ait des kilos en trop ou qu'on soit très mince par exemple comme moi, ou qu'on soit grand ou petit, ou il y a aussi des vêtements pour tous les styles puisque bah, on a tous des styles différents. Et du coup voilà, Shane voulait qu'on rappelle ça. D'ailleurs du coup les liens sont en barre d'infos, mais il y a des liens spéciaux que vous pouvez aller checker du coup, où il y a plein de nouveautés que Shane a voulu refaire du coup. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça vaut vraiment le coup. Et sur ce du coup, nous comme d'habitude on a notre petit carton bah, qu'on a choisi avec nos vêtements bah, à notre goût. Je pense qu'à force vous nous connaissez en plus au niveau de nos goûts. Donc on va l'ouvrir tout de suite, faire notre petit tri et on se retrouve après. Voilà, on a enfin fini notre tri parce que bon, ça a pris beaucoup de temps. Heureusement que vous avez la coupure parce que si vous saviez... Mais du coup là c'est Léane qui va commencer ouais, le défilé parce qu'elle en a un de plus que moi. Enfin c'est pas qu'elle a plus de vêtements que moi. Hein. Ouais c'est un défilé en plus. C'est parce qu'à chaque fois par exemple si on, Shane veut qu'on choisisse 20 vêtements, on en fait 10 chacune. On, voilà on fait moite-moite. Mais c'est juste que selon comment on accorde patati patata, bah, ça fait qu'elle elle en a un en plus. Mais voilà, il n'y a pas de différence. Hein. Du coup... Oui bon là du coup c'est pour la jupe et les bottes. Donc attends ici. Du rouge. Voilà. Donc juste une jupe comme ça, rouge en satin. Et on peut resserrer ici. Ah bah voilà. Oui. T'es pas un peu griffé. T'as des ongles de fou en plus. Oui. Et avec des bottes chaussettes comme ça, pointues. Bon vu que j'aime trop les bottes, bah j'en ai repris encore. Oui. C'est pas la seule qui est dans ce truc là. Ouais là elle a pris 3 bottes dans ce haul. Donc là c'est pas la première paire hein. Attendez hein. Mais par contre ceux-là je les trouve hyper jolies. Parce que j'ai vu les autres. Bon vous les verrez hein, après du coup. Mais celles-là elles sont super belles. J'ai trop hâte de te voir dedans. Donc let's go. Alors voilà, un premier défilé de qualité, vraiment la tenue, mais je suis fan, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ah j'adore, ça lui va hyper bien, franchement, du coup, je pense que tu valides déjà la jupe. Bah ouais, en plus trop bien qu'on peut resserrer comme ça, tu vois, ouais. En satin, puis même le rouge, c'est canon, c'est bien. Ouais, franchement ouais. Et c'est bien, c'est que du coup, bah, comme vous avez pu le voir, en fait, vous pouvez régler comme vous voulez la jupe, si vous voulez plus court ou plus long. Et du coup, ça fait une jupe asymétrique, parce que bah, ça part comme ça. Et après, les bottes. Bah oui, bah c'est trop bien. Puis en plus, tu vois, vu que je kiffe les bottes et tout, puis là, ça fait bien chaussette, ou même le bout, tu vois, c'est trop bien que ce soit pointu. Ouais, parce que là, c'est vraiment de la chaussette, la matière. Enfin, du coup, vous pouvez pas toucher parce que vous êtes à travers l'écran. Mais vous verrez comment, vraiment, on dirait une chaussette, le truc. C'est hyper pratique, du coup. Mais par contre, la tenue entière, là... Ou même l'intérieur des bottes, tu vois, en fait, il y a, genre, je sais pas comment expliquer, mais il y a la forme, quoi, en dur, et bah, c'est pratique pour mettre son pied dedans, quoi. Ah, oui, ok, d'accord, ouais, parce que moi, du coup, je les porte pas, donc je sais pas, mais du coup, voilà, petite précision, mais en tout cas, ça lui va hyper bien, et juste une petite parenthèse, hein, pour ceux qu'on a déjà vu des commentaires en mode, Léane, elle a pas à s'habiller comme ça à son âge, ou alors, pourquoi elle s'habille comme ça à son âge, des commentaires comme ça, alors, je sens que là, ça va venir, parce que tout ça, parce qu'elle a une jupe rouge, et des bottes qui montent assez haut comme ça, mais je vois pas où est le problème parce que déjà la jupe là elle est même pas si courte en tout cas pour celle-ci, et c'est juste qu'elle est, rouge, c'est une couleur comme une autre, donc voilà. Et même si par exemple elle porte parfois des jupes un peu plus courtes, bah
je vois pas où est le problème non plus, en fait, c'est juste une jupe. C'est juste que Léane, elle aime bien les trucs plus courts, vous aimez peut-être qu'elle soit plus longue, mais chacun ses goûts, chacun son style. Léane, elle aime bien que ce soit court, mais ça reste une jupe, donc il n'y a pas de problème, c'est un vêtement comme un autre. Et pareil pour les bottes, Léane, elle adore les bottes, donc elle va pas s'interdire de mettre des bottes, surtout que c'est des chaussures normales. Donc voilà, nous, de toute façon, les commentaires comme ça, on n'y prête pas attention, parce qu'on on s'habille comme on veut, et on en a marre d'être jugé. Faut arrêter de juger comme ça pour pas grand chose. Donc voilà, de toute façon, on n'y prêtera pas attention si jamais il y a encore quelqu'un qui veut critiquer la tenue de Léane. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse parce que ça m'énerve de voir des commentaires comme ça encore en 2022, là en plus. C'est vraiment n'importe quoi. Je trouve qu'il y en a certains, vous devriez un peu ouvrir votre esprit, parce que là, il y en a encore qui sont encore bloqués, je trouve, niveau ouverture d'esprit, mais bon. Voilà, en tout cas, nous, on est ouverts d'esprit et voilà, on en est fiers. Et sur ce, c'est à mon tour, et je vais commencer par alors je suis trop contente parce que ça fait longtemps qu'en fait je cherche des trenches, et du coup là j'en ai profité pour en prendre deux. Donc d'ailleurs là je vais vous montrer ma tenue, mais pour le deuxième trench en fait je vais garder cette tenue là et juste après changer le trench. Mais du coup pour commencer je vais vous montrer. Donc c'est un body comme ça noir, ici il y a un trou qui sera là au niveau de l'épaule, ici la manche un peu bouffante, donc c'est à une manche. Du coup la jupe, c'est une jupe au hasard d'ailleurs que Léane elle a mis dans un train hall d'ailleurs. Là je lui pique parce que je trouve que ça va bien aller avec ce que je vais mettre. Que je t'ai piqué. Bah oui, en fait on se pique un peu tout, mais voilà, on se prête tout, donc Et du coup le trench, enfin le premier que j'ai choisi pour vous montrer, donc celui-là c'est un trench court, enfin mi-long, parce que l'autre il va être un peu plus long, enfin je crois, hein. Attendez si je me trompe pas. Bon, en fait il prend un peu la même taille. Non mais c'est parce que je vous jure, sur la photo, de toute façon vous pouvez aller voir dans la barre d'infos, il y aura les liens, sur la photo il y en avait un qui était plus court que l'autre, et en fait c'est en vrai, il prend la même taille, donc bon, faites comme si j'avais rien dit. Voilà, c'est juste un trench comme ça. Vous pouvez, il y a une petite ceinture si vous voulez la mettre. Après, je l'ouvrirai aussi pour que vous voyez ouvert. Enfin, je trouve que ça va être super stylé, donc c'est parti. Alors voilà pour mon premier défilé. Bon, juste j'avais oublié de parler des chaussures, mais en fait je savais pas avec quoi j'allais les mettre. Enfin, j'étais encore en train de réfléchir alors que j'étais censée avoir tout bien trié, mais je réfléchissais encore. Et là je me suis dit, en fait ces chaussures là elles iraient trop bien avec la tenue que j'ai portée. Bon, du coup vous l'avez vu dans le défilé, hein, les chaussures. Du coup on commence par le body, t'aimes bien? Ouais, bah après c'est grave pas comme ça, mais peut-être qu'il est un peu grand pour toi. Ouais, légèrement. Mais ouais, sinon il est grave beau, puis il te va bien. Merci. Les chaussures? Bah les chaussures, ouais, elles sont bien, mais ça doit être galère à mettre sur la route. Tu truc. Sinon, je te rappelle. Ouais, franchement, j'ai galéré. Il y a ma mère, du coup, qui m'a aidée, parce que c'est un peu galère, mais en tout cas, quand elles sont mises, elles sont super jolies. Et après, du coup, c'est mon trench. Bah ouais, mais du coup, de toute façon, tous les manteaux comme ça, tu vois, boutons et tout, c'est tout ce canon, quoi. Donc ouais. Puis en plus, il est marron, quoi. C'est trop beau, tout marron. Ouais. Léane, elle aime bien les vêtements marron, en plus ça lui va super bien, donc ouais. Et là ce trench il est juste canon, donc juste là ça va être à Léane de défiler, mais je vous préviens déjà, juste après je vais défiler avec l'autre trench du coup pour vous montrer, et je vais garder toute la tenue que j'ai là, donc y compris les chaussures, c'est juste que je vous montrerai le deuxième trench. Sur ce, c'est à toi. Ah oui, c'est vrai. Non mais j'allais déjà me partir en mode je vais m'habiller alors qu'on va rentrer le vêtement.
Ouais, c'est clair. Enfin, ça aurait été une surprise. Attends. Surprise. Attends, y a pas un devant. Bah non, bon, je verrai bien. Juste, voilà. Encore une robe col roulé comme ça. Ouhou. Grise. Ouais. Simple, mais cool. Donc bon, cette fois-ci, là, tu peux partir après avoir montré. Oui. Mais du coup, je vais garder ces bottes-là pour celle-là. Et je vais choisir ça. D'accord. Yeah. Let's go. Pour le défilé, qu'est-ce que t'en penses de cette robe? Bah, elle est grave bien parce qu'en plus, regarde tout, je commence à moelle. Ah oui, elle est grave tous. J'avais pas vu. Ah, elle est grave tous, puis en plus, c'est bien. Puis quand elle coule pour l'hiver, en fait, c'est bien. Ouais, elle est limite moumoute en fait, la robe. Ouais. Du coup, ouais, parfait comme tu dis pour l'hiver. Donc là, c'est à mon tour, et puis bah, comme je vous ai dit, du coup, on se retrouve avec le deuxième trench. Du coup, celui-là. C'est... Bah, il a pas trop de différence à part la couleur, je dirais, parce qu'il a même il a les mêmes boutons et tout. C'est juste qu'il est un peu plus clair. Enfin, je saurais pas comment décrire la couleur. Je dirais lui c'est écru et lui c'est marron. Donc voilà. Très joli aussi. Et j'adore. Du coup, bah, j'ai juste à mettre ça et puis vous montrer avec mon défilé. Tu penses de celui-ci? Bah il est grave beau. Puis en plus je sais pas, genre ça je me disais c'est quoi, mais au final ça fait beau tu vois. Ah oui. Après la couleur je préfère peut-être que celle d'avant marron, mais celle-là aussi elle est belle quoi. Ouais. T'as trop de quoi dans la phrase. C'est une habitude je pense. Mmh. Ouais, c'est parce qu'après l'autre il est plus marron et du coup toi tu préfères le marron. Ouais. Après celui-là, bon finalement je disais il n'y a pas trop de différence, vous savez au niveau de la longueur. Quand je les avais comparés je me disais d'accord ils font la même taille en fait. Mais c'est celui-là en fait qui était censé être plus grand et là en l'ayant porté on voit mieux que lui il est plus grand. Mais moi j'aime bien les deux longueurs donc c'est pour ça que j'en ai pris un plus grand et un plus petit. Comme ça je mets ce que je veux quoi. Et sur ce, c'est ton tour. Bon. Du rouge, encore. Oui, encore une robe. De toute façon, la jupe, c'était ce truc qui n'était pas une robe. Tout le reste, c'est des robes. Bon, du coup, une robe rouge comme ça. Du coup. Donc j'adore les robes et le rouge. Waouh, super belle. Bon bah, c'est parti. Et tu gardes juste, par contre, les chaussures aussi ou... Oui. Pour l'instant, tu changes pas encore. Ouais, bah ça, c'est le dernier vêtement avec ces chaussures-là. Parce qu'après, il y a deux autres bottes, mais à chaque fois, c'est deux vêtements par botte. Enfin, ok. Enfin, que ce soit la forme et tout, et vu qu'elle est rouge, bah, par contre, je pense qu'elle est un peu trop grande pour moi, mais c'est ah ouais. Grave belle. Ouais, bon, c'est pas grave, on voit pas qu'elle est grande en tout cas, enfin, ça va, je trouve. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'elle est super jolie.
Et sur ce, c'est à moi. Du coup, là, en fait, c'est marrant, c'est que pour une fois, en fait, j'ai acheté, c'est tous les deux, ils étaient ensemble, que ce soit le haut ou le bas, et je fais tomber les jupes. En fait, là, les hauts, ils étaient à deux, et les jupes étaient à deux, et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre le haut noir avec la jupe blanche et le haut blanc avec la jupe noire, mais je vais commencer par le haut noir. Donc, les hauts, ils sont comme ça, c'est, vous savez, ici... Comme ça, hop, ça va être ouvert là, bah, un peu comme mon body en fait, mais là en petit haut. Et les jupes, elles sont censées être en cuir toutes les deux. Là, c'est des jupes en cuir, donc là c'est la blanche. Après du coup, vert et l'inverse. On va commencer par ça du coup. Et je pense que je vais mettre ma deuxième paire de chaussures avec. Et d'ailleurs, je pense que je les laisserai jusqu'à la fin de la vidéo pour tout le reste des tenues. Donc c'est des chaussures, enfin des bottines comme ça. J'aime beaucoup, voilà. Tout simplement. Donc voilà ma tenue, c'est parti. Alors du coup, bon, Liane fait ses petites affaires. Qu'est-ce que tu penses de mon top? Il est bien. Moi, il est bien. Oui, ça fait du temps que genre tu vois il y a en mode comme ça, oui. Ouais, je trouve, j'aime trop le fait qu'il y a ça ici, que ce soit un peu ouvert, genre. C'est hyper cute. Puis en plus même les tops simples, quoi, bah, c'est pratique, quoi, il en faut. Ouais, c'est vrai. Et la jupe? Ouais, la jupe elle est bien. Elle est un peu grande mais... Ouais, mais oui quand on s'assoit. Ouais, en fait là, vous avez pas vu, mais quand je me suis assise au début, en fait la jupe elle est remontée comme ça. Mais là, ouais, c'est vrai qu'elle est un peu grande, mais c'est parce que bah, j'ai une très petite morphologie. Mais bon, c'est pas grave, je pense que vous le savez à force pour ceux qui nous suivent. Et de toute façon, je vais prendre du poids, hein. Je perds pas espoir, je suis très motivée et en plus ça fait longtemps que je me bats avec mes kilos, mais faut pas perdre espoir, hein. Donc voilà, je la garderai quand même. Et sur ce, c'est à toi. Ouh. Et ah oui, non, j'ai oublié mes chaussures. Ah oui, tes chaussures. Alors qu'en plus elles sont super belles. Mes bottines, t'aimes bien? Bah ouais, elles sont bien. De toute façon, toutes les bottines, ouais. Toutes les bottines, tu vois, elles sont bien. Mais j'ai l'impression qu'elles se ressemblent toutes. J'ai l'impression que tu as déjà pris 50 des comme ça. Non, sérieux? Oui. Ah ouais, bon, bah mince. Sinon, non, j'en ai pas. Ouais, c'est juste parce que tu sais, j'aime bien ce style-là. Du coup, tu sais, c'est peut-être parce que tu confonds avec aussi que j'ai des grandes comme ça et tout. Non, des petites. Ah ouais? Bon, peut-être alors. Mais ça, en tout cas, des blanches comme ça, j'en avais pas encore. Donc, non. Sur ce, là, c'est vraiment à ton tour. J'ai rien oublié cette fois-ci. Ouh. On va pas juger la culotte. Qu'est-ce que t'en penses? La deuxième paire de. Comment ça, la culotte? Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais c'était pour rien. Ah oui. Okay. Bon, non, sinon on va choquer les gens. Attention, on parle de culottes là. Bon, sinon la deuxième paire de bottes, comme ça avec grosse semelle. En vrai, c'est bien un truc comme ça, grosse semelle. Tu vois. Ouais, c'est et... bien pour marcher. Bah, matière comme ça, je sais pas comment expliquer. Matière de bottes quoi. Oui. Avec une robe bordeaux que toi t'avais déjà pris en noir. Ouais. Mais moi, bah, du coup, j'ai trouvé belle, j'ai pris en bordeaux. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez. Quand moi je l'ai prise, je l'avais mis en dernier dans un de nos train haul et du coup Liane l'a pris en cette couleur là. Par contre ça, c'est hyper joli en couleur aussi parce que moi j'ai pris noir le classique mais en couleur c'est très beau. Donc bah let's go, j'ai hâte de te voir dedans. Oui.
Alors voilà pour le défilé, qu'est-ce que t'en penses de ta robe? Oh la robe, je la kiffe trop. Genre elle est bien, tu vois, elle est grave fine vu que bah, c'est du satin, puis la couleur elle est trop belle, puis la taille est parfaite, c'est pépite. Tout est parfait quoi. Oui. C'est vrai que en couleur comme ça, waouh, franchement, super belle. Et les choses, les bottes? Bah oui, les bottes elles sont bien en vrai. Un chose, tu vois, regarde là comme ça. Genre ça fait une trace ou de la matière, tu vois, ça reste en mode mais sinon elles sont bien. L'explication, mais ouais, d'accord, on a compris. Par contre, juste peut-être que là les bottes, enfin c'est mon avis en tout cas, c'est qu'elles vont pas forcément avec la robe parce qu'elles sont assez épaisses, surtout en bas, elles sont assez grosses quoi. Et la robe, vu qu'en plus c'est en satin, vous savez, elle a de la finesse quoi, elle est toute fine et tout, ça, du coup ça fait un contraste de quelque chose de gros avec quelque chose de fin. Donc je trouve que ça pas forcément avec, mais là en tout cas ça retire pas qu'elles sont jolies, hein. C'est pas ça que je veux dire, elles sont très belles, mais je pense qu'elles iront mieux avec autre chose en tout cas. Mais là c'est à moi et du coup bah, on passe à la partie 2 de ces vêtements. Donc t'es gratté ici. Oui, ça gratte. Donc du coup bah, c'est la même chose mais l'inverse, du coup on se retrouve avec le même top mais en blanc. J'espère que ça va pas être trop transparent. Waouh. Ça va pas être trop transparent. Et du coup la jupe, bon du coup qui va être toujours aussi un peu grande, mais c'est pas grave, en noir. Let's go. Bon, ça fait la même chose du coup que le défilé d'avant, c'est juste que ça change de couleur. Et que c'est dommage, c'est que je trouve qu'avec les tops blancs, en fait souvent ils sont transparents. Et du coup on est obligé de mettre quelque chose en dessous, soit une brassière ou un soutien-gorge. Et nous personnellement, même Léane, on met jamais en fait de soutien-gorge. On en a quand même au cas où, là, comme là par exemple, mais sinon on en met jamais. Je trouve pas ça confortable, et même là ça me serre et tout, je suis inconfortable dans des soutiens-gorge, du coup j'en mets jamais. Mais là du coup j'étais obligée d'en mettre un et c'est dommage, c'est qu'en plus avec des petits hauts comme ça, je trouve que, enfin c'est vraiment dommage quoi, ça gâche un peu parce que là encore devant on voit pas, mais de derrière, je sais pas si vous voyez, mais en fait on voit la bretelle et du coup c'est vraiment dommage. Mais bon, à part ça, il est quand même beau. Bah oui, bah ouais, c'est les mêmes et juste couleurs différentes, bah ouais, ça reste beau quoi. Ouais, parce que du coup pareil, la jupe c'est exactement pareil niveau grandeur et tout ça, mais c'est juste une autre couleur, donc bon, no comment. Et sur ce, c'est à toi. Et du coup tu gardes ces bottes là? Oui, j'espère que du coup ça va aller parce que ouais. Bah ça à la limite, tu vois, ça passe même pas avec des robes, genre juste, tu vois, mettons des jupes avec des hauts ou autre. Oui, c'est vrai. Je pense que ça irait mieux avec une jupe en cuir ou truc comme ça, mais bon, oui, faut bien vous les montrer quand même. Là c'est une robe en mode comme ça. En mode c'est coupé. Ouais, en fait ça fait comme si c'est un haut et une jupe quoi, mais oui, en robe. Du coup je la trouve jolie, donc c'est parti pour la porter. Alors voilà pour le défilé avec cette jolie robe, qu'est-ce que t'en penses? Bah elle est grave belle, hein. Je trouve, tu vois, ça fait beau quand c'est genre de trucs différents, t'as vu, ça met une ceinture et voilà quoi. Ouais. Genre c'est trop bien, puis elle est à l'aise. Bah parfait alors, ouais, parce que du coup vous avez dû le voir, mais on a rajouté une petite ceinture, comme ça ça habille un peu mieux je trouve. Et en plus la ceinture vient aussi de chez Shane. Enfin, Shane, vous dites quand vous voulez. Parce qu'il y en a, ils disent, ça leur perturbe qu'on dise Shane. Bon, on sait que ça se prononce pas comme ça. Vous savez, vous inquiétez pas, on est au courant. C'est juste que celle-là, ça fait 3 ans qu'on collabore avec Shane. Et depuis le début, on est habitué à dire Shane et on n'arrive pas à s'y faire que c'est Shein. Et en plus, moi, perso, j'ai l'impression de dire Shein, le pays. Du coup, c'est pour ça, ça me perturbe. Mais voilà, bon. Sur ce, c'est à moi. Alors,
Là, c'est pour juger le haut, enfin le haut, vous allez voir, et la jupe. Du coup, la jupe, c'est une jupe plissée blanche. Donc bon, vous allez croire que ça ressemble à celle que j'ai mis juste avant, mais la différence, c'est qu'elle n'est pas en cuir, et vous savez, c'est une jupe de tennis, un peu, donc voilà, comme ça. Et après, en fait, ça c'est un haut, je pense que vous avez déjà vu. Avec, je vais mettre une brassière, donc oui, je vais mettre une brassière. Ne soyez pas choqués, hein, sur la photo, la fille elle est carrément avec un soutif. Hein. Je dis ça comme ça. Sinon, ça c'est un petit haut que ma mère appelle torchon. Oui, parce qu'elle, elle pense que c'est un torchon. En fait, vous savez, vous le mettez et en gros, ça va faire que en haut ici. Et du coup, avec la brassière, bah, ça fait ça. Mais moi, j'aime bien ça. Ma mère, elle aime pas, mais moi j'aime bien. Et ouais, je trouve que ça peut faire mignon. Enfin, après, ça fait surtout, je trouve, pour les danseurs qui font du street dance. Souvent, je vois ça. Et du coup, j'ai décidé de mettre ça ensemble et toujours avec mes chaussures. Et donc, bah, on va voir ce que ça donne, hein, avec mon torchon. Let's go. Je trouve que ça va pas ensemble en fait. Individuellement ça va, mais là ensemble ça va pas, je trouve. Et finalement j'ai mis un soutien-gorge plutôt qu'une brassière, parce qu'en fait ma brassière elle monte trop haut. Genre du coup on voyait pas la différence, genre ça faisait tout noir, du coup on voyait rien. C'est pour ça je pense aussi le modèle sur la photo pour présenter le torchon. Elle a un soutif aussi, je pense que c'est pour mieux voir, du coup bah, j'en ai mis un aussi. Bon. Du coup, la jupe, enfin, si elle était genre individuelle, parce que je trouve que ça va vraiment pas ensemble, mais c'est pour vous montrer, hein, mais... Bah, la matière est peut-être beauf. Ouais. Et aussi, il faut que ce soit bien serré, parce que... Ouais, c'est vrai que la matière, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à une matière de jupe, du coton, quoi, et là, en fait, elle est dure. Donc ouais, c'est pas la matière que j'attendais, mais bon c'est pas grave. Et le torchon. Ouais, le torchon. Bah... T'aimes pas toi? En vrai si, ça passe, mais je sais pas, genre... En vrai ça vous fait bien, mais je sais pas, c'est ça, c'est bizarre. Bah c'est que, en vrai c'est surtout pour des danseurs en fait. Bon moi je fais pas, ouais, de danse, enfin, oui, mais j'aimerais bien. En fait, pour les danseurs, quand ils dansent tout ça, je trouve ça fait beau, mais... Oui, tu sais, quand ils s'entraînent dans les salles de danse et tout, on les voit comme ça, mais... Ouais, mais le truc, c'est du coup, genre, faudrait plutôt mettre ça, genre, avec un pantalon de sport, tu vois, genre des... Les trucs qu'on met au badminton, par exemple, et pas avec une jupe, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est que vu que ça, c'est censé être sport, puisque la danse, c'est un sport, je pense, en fait, ça va plutôt avec des leggings ou des pantalons, pas de jeans, hein, des vraiment pantalons, mais ça va pas avec une jupe. Donc bon c'est pas grave, au moins comme ça j'ai pu vous montrer la jupe quand même, parce qu'il faut que je vous la montre. Et voilà, sur ce bon c'est à ton tour. Ah, je me suis fait agresser par une botte. Elles sont vraiment parties en... Bon du coup la troisième paire de bottes. Bah un peu comme celle d'avant avec des grosses semelles, mais là il y a des... Mais la matière c'est pareil, il y a juste des essais en plus quoi. Ouais. Et c'est ça. Oh, elle est encore plus douce qu'avant, tu vois, c'est le... Wow. Ah, elle est trop confortable. C'est de la peluche. Une robe comme ça, grise, en moumoute. Yes.
Et elle doit vraiment être confortable. Ouais. Et puis les bottes, du coup. Bah, les bottes, elles sont bien, tu vois, c'est comme tes bottes. Oui, blanches, en beige. Et crues. Allez, c'est ce que j'ai dit. Bon, tu vois, c'est les mêmes, mais en noir, quoi. Ouais. Ouais, parce que je sais pas si vous vous souvenez, hein, pour ceux qui ont vu, que j'avais aussi eu des bottes comme ça en couleur écrue, ou vraiment, je sais pas si vous vous souvenez quand je vous ai dit que vraiment c'est juste de la chaussette et que le nœud, c'est juste un nœud de décoration, il va pas du tout resserrer la chaussure. Donc là c'est exactement la même chose, et ouais, bah c'est tout. Là c'est mon dernier défilé, et c'est juste pour un truc, c'est pour une veste, donc bon, je vais juste défiler pour ça, mais du coup je vais juste garder la jupe et les chaussures, et je vais juste changer le haut, parce que en fait je vais vous la montrer fermée, mais après je vais vous montrer ce que ça donne aussi ouvert. Je parle trop vite, faut que je me calme. Du coup en ouvrant, je vais pas rester en soutif, donc je vais remettre, vous savez, mon petit haut noir là, et voilà, du coup c'est tout, je vais juste vous montrer cette veste. Alors voilà pour mon dernier défilé. Alors t'aimes bien ma veste? Bah ouais, de toute façon toutes les vestes comme ça c'est grave bien. Puis en plus l'intérieur, ouais, c'est grave tout. L'intérieur en fait il est un peu moumoute, genre il est hyper confortable. Du coup c'est parfait, ça tient chaud. Et ouais, je voulais une veste comme ça. Ça fait un peu veste sur veste, mais vous voyez, ça peut aller avec un peu de tout, je trouve. Et là cette fois-ci je trouve que ça va bien avec la jupe. C'est pour ça en fait, la jupe, elle peut être belle, mais faut bien accorder en fait quoi mettre avec la jupe, et c'est pour ça que ça n'allait vraiment pas avec ce que j'ai mis avant. Mais là en fait, en changeant le haut et en rajoutant une veste, là ça fait bien. Là la tenue est bien, donc ouais, franchement je kiffe. Et sur ce, on va finir par toi. Oui, avec oui. Sa dernière robe, et en plus, ah elle est trop belle. Oh ouais. Wouhou. Genre, quand j'ai vu qu'elle avait choisi ça, je me suis dit, oh, elle est magnifique. Yeah. J'adore ce style de robe et tout. Ah, elle est trop belle. Et par contre, du coup, pour les chaussures, tu gardes cela ou non? Je sais pas, parce que peut-être que ça n'ira pas. Donc au pire, sinon, je remettrai, tu vois, les premières, parce que bah ça, c'est pas, ça fait tout, quoi, ouais, c'est canon. Ouais, carrément. Les premières, je pense, c'est mes préférées bah, dans les trois qu'elle a prises. Donc ouais, bon, on verra pour les chaussures, mais en tout cas, elle va essayer cette jolie robe et c'est parti. Yeah. Alors voilà pour le défilé final. Alors la robe, je suppose que tu valides, parce que moi... Ouais, bah ouais, elle est grave belle, tu vois, c'est bien. Enfin, en vrai, je suis à l'aise au niveau de là, mais au niveau des manches, c'est un peu serré. Ah ouais. Je pense que j'ai pris une taille un peu trop en dessous, mais... Ouais. Sinon, elle est grave belle, quoi. Faut juste une taille au-dessus, puis c'est parfait. Ouais, ok. Bon, au cas où vous voulez savoir, Léane, bah là, elle a pris XS pour cette robe-là. Enfin, en général, tu prends un XS, hein. Ouais. Donc, ouais, je sais pas s'il aurait fallu prendre du S, du coup, pour ça. Mais en tout cas, vous, selon votre taille, n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus si vous voulez la même. Parce que moi, en tout cas, je la trouve juste... Je vais fermer. Je la trouve juste magnifique. C'est vraiment trop, trop belle. Et en plus, on trouvait que là, on n'a pas changé les bottes, finalement, puisqu'on trouvait que ça allait bien avec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Nous on trouvait que ça allait. Et sur ce, bah, vu que c'était le dernier défilé, bah, le train haul est fini. Donc comme d'habitude, il y a tous les liens des vêtements en barre d'infos, ça change pas. En plus, il y a également les liens, comme je vous ai parlé au début de la vidéo, pour le chain for all. D'ailleurs, il y a même un code promo spécial pour cette campagne. Et du coup, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir, puisque comme je vous l'ai dit, chain, ils ont voulu en fait faire plein de nouveautés pour diversifier un peu pour tous les styles. Donc je trouve que c'est vraiment cool. Et sur ce, comme d'habitude, on est J'espère que ce train haul vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et vous pouvez partager notre chaîne sur vos réseaux sociaux. À bientôt.